Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je refais vite une petite vidéo avant le remontage du déshumidificateur. Pour ceux qui ont vu la vidéo juste avant, on avait une formation de glace, enfin plutôt de givre sur les tuyaux. Et en fait, au bout d'un petit moment, étant donné qu'à mon avis, l'appareil n'a pas fonctionné depuis un petit moment, il y a eu certainement un petit problème au niveau de la régulation des gaz, etc. Ou alors c'est un phénomène normal, je ne connais pas du tout. Donc c'est du gaz du R290. J'ai jamais travaillé avec ces gaz-là. Alors peut-être que c'est normal. Voilà. Mais on voit bien ici donc les tuyaux qui transpirent, donc il y a la condensation. Le même phénomène se passe également donc sur la partie évaporation ici. Et au fond du bac là, on voit l'eau. Donc ça c'est le bac récupérateur. Et de l'autre côté à l'avant, on a le bac qui récupère l'eau avec un flotteur, et quand le niveau est plein, coupe le petit switch et fait couper le compresseur. Voilà. Donc je vais juste vous montrer que cet appareil fonctionne impeccablement bien, qu'il n'a aucun problème à part le problème qu'on a vu au niveau du ventilateur, donc du moteur, qui avait un capteur de rotation. Voilà, donc je vais tout le remonter et on verra comment il fonctionne par la suite. Voilà, j'ai fini de remonter l'appareil, donc il fonctionne toujours très bien. Ça fait entre hier soir et aujourd'hui à peu près 2h30, presque 3h qui tourne. On va regarder si ça fonctionne bien la récupération. Donc ici on a le bac récupérateur, voilà. Voilà, donc la sécurité là, elle fonctionne. Voilà, ce que j'ai récolté à peu près 3 heures. Donc ça marche, il marche bien, je suis content. Donc voilà, il y a la seule chose qui risque de repéter peut-être, c'est le ventilateur, maintenant que je le sais. Ça sera facile à réparer pour la prochaine fois. Voilà, tac, on remet dedans. Alors il y a un timer là qui est relativement long. Il y a un délai entre le rallumage du compresseur qui est relativement assez long. Il est de l'ordre de, en tout cas, 5 minutes. Donc voilà, je ne vais pas attendre que ça redémarre. Je vais vous laisser sur cette réparation réussie. Voilà, à tout bientôt.